Comment ça va les refs, la forme? Oh le retour, eh les gars, je vous jure, j'ai l'impression, ça fait genre des semaines on est parti. Faut raser tout ça, mais les gars, je peux pas raser moi la barbe. Je peux pas la raser les gars, la barbe. Alors, en fait, les gars, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Mais déjà, bienvenue les gars, bienvenue. Là, on a fait le premier duel, on a remporté, je pense, ça. Le chat, il est moi, je suis le buteur, tous les deux, on est le buteur, Liam. Le chat, on est les buteurs, et le chat, c'est les défenseurs centraux. Et là, franchement, on a fait passement de jambe gauche-droite. Pour moi, le chat, on l'a dans la poche. Il est là, le chat, il est là. Est-ce qu'on peut annoncer la mauvaise nouvelle, Liam? Il y a Urban à 21h. Par là. Est-ce que même vous étiez surpris les gars? En fait je pense même pas qu'ils sont déçus, ils sont même pas surpris. C'est l'accoutumé. Tu vois, on est accoutumé du fait. C'est pas vrai. En fait ils sont même pas déçus parce qu'ils sont même pas surpris. C'est pas vrai. Oh mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh ça va manquer de dire hein, c'est pas vrai. Ça va nous lancer des bouteilles, je sais, je sais, mais c'est pour ça qu'on a pris le filet. On a pris un filet. Dans mon vélodrome. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Ça commence déjà. Ils en ont chopé quelques-uns, là. Ça commence déjà, Liam. Les interpellations, ça commence déjà, les gars. Ah oui. On vous a dit, on vous a prévenu, les gars. Juste, les gars, Liam, l'instant barre, s'il te plaît. 6 points de suture les refs. On va vous expliquer l'histoire, mais une histoire aberrante. On peut pas vous montrer de photo. Parce que en vrai, ceux qui nous suivent sur Twitter l'ont vu la photo. Et encore, c'était clean. Genre, c'était nettoyé et tout. En gros, les gars, Liam, on faisait un paintball avec un pote. Déjà, c'était l'après-midi où on sortait entre boys. Entre couilles. C'était vendredi après-midi, les gars, on était 3 mecs. On part faire un paintball. Je te raconte, voilà, la chute de l'histoire, on finit aux urgences. Non, techniquement non. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on enchaîne les parties de paintball. Ça, je suis monstrueux, les gars. Je donne le volume de jeu à Yann. Mais moi, on est pas dans la même équipe. Moi, je suis dans l'équipe rouge, Yann, t'es dans l'équipe bleue. Je suis comme monstrueux, ça, voilà, comme ça. Monstrueux. Une machine. Les gens, ils ont peur. Ils sont face à moi, ils ont peur. Ils ont le trac, ils sont comme ça. Je suis comme ça, papa, je bouge, j'accélère. Je... Franchement, j'ai un style œil de lynx chasseur. Malheureusement, j'ai perdu un menton dans l'histoire. Mais en gros, ce qui se passe, on enchaîne les parties de paintball, on enlève le masque, etc. Et en fait, là, on transpire. Et nous, on a tous un masque de protection au paintball. Parce que tu dois en avoir un, sinon. Bien sûr, forcément. Ça fait quand même un petit choc, tu vois. Non, il nous reste 2-3 bleus, tu vois. Parce que c'est quand même un choc, ça fait pas mal. Non. Mais c'est un choc. C'est un choc. Je sens que voilà, c'est un choc. Ça peut laisser des marques. L'homme, il remet son masque, il est toute transpiration. Mais quand t'as un masque, t'as de la buée. Et après, je laisse les bras. En gros, ce qui se passe, les gars, c'est que le mec, il siffle, donc ça recommence. Je transpire beaucoup, donc je remets mon masque. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'en bas, là, il y avait une sorte de branche. Une branche 4 fois plus grosse que ça. Mais je la vois pas parce que moi, je suis masqué, tu vois. Donc je commence à courir, une grosse foulée, et je me prends une branche. Et en fait, je tombe, mais je sais pas sur quoi je tombe. Tout de suite, en l'espace de quoi une milliseconde, j'étais en pleine vitesse, et d'un coup, je me retrouve par terre. Mon masque, il part à quoi, à 3-4 mètres plus loin là-bas. Je tombe, et là, ça commence à pisser le sang ici. Ah, tu vois, horrible. Et je me dis merde. Horrible. Mon premier réflexe, c'est de voir si j'ai encore toutes mes dents. Donc je fais ça. J'ai encore tous mes dents, je dis ça va, je vois que ça saigne mais j'ai pas mal, je dis c'est bizarre. Là je me relève, j'entends des bruits, des tirs juste à côté, c'est la guerre. Franchement moi je prends mon masque, je remets tout de suite mon masque, ça saigne de ouf. Là je vois que ça saigne mais vraiment genre c'est bien ouvert. Il y a un trou, il y a un trou, il y a vraiment un trou. Ensuite moi je reprends le pistolet. Mais il se fait toucher tout de suite après donc il va se changer. Moi de mon point de vue, je suis pas dans l'équipe de Liam, je me fais toucher malheureusement. Je vois, ma première action c'est... Qui t'a fait ça? Parce que c'est un trou. C'est ouvert. Ceux qui ne peut pas vous montrer. Non, non, on ne peut pas. Mais ceux qui nous suivent sur Twitter, il y a la photo où c'est encore tout désinfecté. Ouais. Tu peux leur montrer la barre? Et donc là, je vais me faire retirer mes points de suture vendredi. Donc j'espère que ça va bien se passer, les gars. Voilà. Voilà nos vacances, les gars. Sympa ça. Mais en vrai, c'est dommage parce qu'on avait réservé pour 2 heures de paintball. On a fait que 30 minutes. On a fait que 30 minutes. Et les gars aussi, on en parle ou pas du Ferland Mendy Futis là? On a même pas dit ce qu'on allait faire. C'est le retour de vacances. C'est le retour de vacances, voilà. 85. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Y'a pas des 85 x 10 les gars? Non, je pense que moi j'ai fait un 85 x 10 de mon côté. Liam a fait un 85 x 10 de son côté. Mais on va tout refaire. Hein. Est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Alors vous allez moi me dire. Je pense giga défaite. Arrête Liam, non, Liam, moi je la trouve très moche. Alors moi les gars, j'aime bien m'acheter des montres et spécialement des montres G-Shock. J'aime beaucoup le concept. Est-ce que vous validez les gars? Montre G-Shock comme ça, victoire ou défaite? Moi je mets un 4 sur 10. Hein. Et victoire ou défaite les gars, la couleur et tout, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je me suis pas ouvert. Mais moi je me suis acheté une nouvelle montre. Bigel. Ouais. Deux essais. Ah ouais. Claqué au sol. Bah, le jeu de mots moyen. J'apprécie à moyen ce qui vient de se passer. Ok. Nul à domicile, zéro. Ok.
Nul à domicile, zéro frappe, zéro tir cadré. Ok, j'ai compris les gars. Est-ce que ça vaut le coup de faire le renfort futis x10? D'abord fais le 85x10, tu ouvres le 85x10. Ensuite derrière les gars on fera le ça. Moi c'est la même chose sur le compte Xbox. On va ouvrir en tout 4 85x10 et 2 trucs futis. Il y a plus de 2 millions de crédits. Moi j'ai plus de 3,6 millions de crédits les gars. On est en août, on envoie les gars. MDR avec cette montre tu... tu fais le Mont Blanc, Sarm, Kev. Qu'est-ce que tu fais ici? Prépare-toi. Les gars, Kev, la dernière fois à l'Urban, il a été catastrophique. Oh bon, en fait, j'oublie qu'il y a, tu peux taper toutes les cartes. 90, ça va. Ça va, ça voilà. C'est 90. Attends, c'est 85 x 10 ça? Non, ouais. Non, c'est les packs Division Rivals, okay, mate. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'on va au Parc des Princes samedi? Oui, on va sûrement aller au Parc des Princes contre Montpellier. Donc là, le premier match de la saison. Et aussi, on va aller voir Lille-PSG. C'est pas vrai. Les gars, on va. On a perdu le rythme. Ça, non, les gars, on a aucun volume de jeu. Et je vais pas vous mentir, les gars, ça se voit qu'on revient de vacances parce que le rythme, on l'a pas. En fait, on a tellement de choses à vous dire qu'on oublie ce qu'on a à dire. Exactement. Notre premier déplacement avec nos potes sera pour Lille-PSG le dimanche 21 août. Le premier d'une longue série. On espère, on croise les doigts, on espère qu'on va faire pas mal de plus de déplacements que l'année dernière. En tout cas, on espère faire quelques-uns en France. On aimerait bien voilà, les gros stades où c'est bien chaud. On aimerait bien, tu vois. Après, est-ce que le temps va nous le permettre? À voir. Aussi, sûrement pas. Pendant l'année FIFA 23, la priorité sera forcément les vidéos et les streams. Mais si on peut se caler quelques week-ends, on peut aller avec nos potes par-ci par-là et même vous. Vlogger, je sais pas, mais faire des petites vidéos, des petits conseils. On peut pas garantir. Parce que non. Tu connais, Liam, notre emploi du temps très chargé. Oh oui, très chargé. Surtout en nous, très chargé. On peut rien vous promettre, les gars, mais on va essayer de vous préparer des nouvelles choses sur la chaîne pour faire un 3. En tout cas, c'est un gros plaisir, les gars, de vous retrouver en stream. Sachez-le, les refs. Sachez-le, ça fait plaisir. Et là, on va ouvrir le pack 10 joueurs rares 85. Plus, tu nous accompagnes en virage à Marseille. Bon, oh, ça va être compliqué à Marseille. Ça va être compliqué parce que, Marseille, en tant que supporter parisien dans le vélodrome. Si j'aimerais bien faire le vélodrome. Mais en loge. Alors là, pour le coup, niveau présidentiel, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me recevoir des tomates ou des. Ou t'as des pas envie que ça serait au bout de ton manteau. Ah non. Ça, 6 points de suture, ça me suffit. Non, en vrai, on aime bien. J'aimerais bien faire le vélodrome. Mais je vous embrasse d'ailleurs, nos amis RC, parce que vous avez fait un très bon match. Oula, vous avez fait un très très bon match contre Reims. On vous salue. On l'a vu dans le train le match. C'est une défaite. Le 85x10, défaite. Défaite, je suis d'accord. Grosse défaite. C'est vrai. Pendant ces vacances, on a découvert un jeu. Un des meilleurs jeux du monde, Mario Kart. Du monde, je sais pas. Sachez les gars, sachez que durant ces vacances, on a joué à beaucoup à Mario Kart sur Switch. Sachez messieurs, on est injouable. Et j'emploie bien le mot et le terme. Injouable sur Mario Kart. Il y a de fortes chances, très fortes chances qu'on s'envoie sur Mario Kart dans les prochains jours, les gars, à Mario Kart en stream. Nous, on a été Mario Kart double dash sur GameCube. Les anciens, les tontons dans le chat, ils vont s'en souvenir comme quoi c'était l'un des meilleurs jeux. Mais ouais, il y a peut-être moyen qu'on s'envoie sur. Peut-être au lieu. Parce que Fall Guys, les gars, on n'y joue plus du tout. Tonali et Hernandez, je pense que Tonali et Hernandez et Tomori, ça sera un des triangles les plus cheatés. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire si tu voudrais peut-être. Bon, un peu plus tard, dès qu'on aura à peu près les notes, etc. En stream, on pourra faire des triangles. C'est genre Tomori, Tonali. Les meilleurs triangles à faire au début de 23. Exactement. Oh oui, c'est une bonne idée, ça, les gars. En tout cas, on va envoyer cette équipe à 87. Moi, je dis limite, on l'ouvre maintenant. Renfort futis x10, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, je sais pas, les gars, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est Ginola et un gros Totti. Moi, j'aime. Ouais, Ginola, Messi, Ronaldo, ça me ferait plaisir. Je place. J'ai perdu le volume de jeu. Allez. Place. C'est un Tots. C'est un Brésilien. Oh, c'est nul, non? Ah. Attends, je vais éteindre la télé. La télé est éteinte, messieurs. C'est nul, ça. Dans mon manuel, les gars, on est d'accord. Dans votre manuel aussi, les gars, c'est une défaite, on est d'accord. Juste pour vérifier. T'as tout perdu le volume de jeu. Ouais, Liam, il est. Ça peut cacher derrière, ce qui paraît. Liam a un point de côté comme moi, les gars, sachez-le. Ah, mais moi, j'ai un point de côté monstrueux, là, les gars. Ok. D'accord. Que un doublon déjà c'est. Les gars vous avez vu comment mes cheveux ils ont repoussé quand même. Oh. Ah oui ok parce que j'ai cru que le pire c'était 92 dans le pack. Je dis oula. Oula. Ok bah. T'as mis quand même 4 équipes hein. 82, non, 82. Je suis la roue de secours d'hier là. Oh non, non. Ouais laisse tomber. Là je suis l'issue. Ne faites pas ce pack les gars, ne faites pas ce pack, c'est horrible. En tout cas les gars on envoie du coup ce 85x10, après on va partir sur Xbox. On va l'ouvrir direct les gars, comme ça on a mis le double Robertson dedans. Et il nous restera 1,7 million, alors je vais pas vous mentir les gars, comme j'ai déjà dit. Là on a des crédits, Liam a beaucoup de crédits, moi j'ai encore plus de crédits que Liam.
On va vraiment s'envoyer sur le contenu, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. J'attends avec impatience les 85 x 10 cumulables. Ouais. Parce que là, je vais pas vous mentir, les gars, on revient d'une semaine en vacances, il y a tellement de trucs à faire, mais on a rien dans le club. Là, on a vraiment genre aucun joueur hors rare. Et comme tout le monde, je pense. Hein. Comme tout le monde, je pense aussi, ouais. Je pense que la plupart des clubs de chacun, c'est un peu caca-culotte. Pedri ? Oh ! Pas mal. C'est d'ailleurs, faudrait qu'on en parle, les gars, mais moi, je trouve ça juste honteux, ce qu'ils font avec Frankie de Jong. Ouais, c'est scandaleux. De demander de diviser son salaire fois 2 à Frankie de Jong, mais t'achètes des joueurs 40-50 millions. C'est bizarre quand même. Chaque semaine. Mais après, je vais pas vous mentir, le Barça fait un mercato monstrueux, mais c'est bizarre. Nos amis barcelonais, vous en pensez quoi de ça? Et vous en pensez quoi du traitement de faveur de Frankie de Jong, les gars? Ouais. Le pack à 100 milliards, on n'oublie pas. 50-60 millions pour Bernardo Silva. Et tu demandes à un joueur à côté de réduire son salaire, à un joueur cadre qui a toujours tout donné pour le club. Ça veut rien, enfin, il y a aucune logique. Oula, c'est vendable ou pas ça? Je sais pas. Balotelli qui a 5 de GT, j'aurais bien aimé qu'il d'ailleurs testé sa carte quand il était sorti celui-là. Ouais, tu pourras faire un match Ravels, là, tu pourras la tester. Oula. Ah non, c'est invendable, dommage. Ah c'est... Ah tu fais rentre rapide. Là du coup les gars, je vais juste mettre le logo Xbox. Là on est sur Xbox du coup. J'ai fait 6,80 de plus juste pour vider un peu mon club. Ah, et après du coup on a le 85 x 10. Je refais un 85 x 10. On a quoi d'autre après? Le fais pas les caca culottes. Non, je vais pas le faire. Par contre ça donne un peu les gars là, les 80 de plus. Hakuna Matata qui était le titulaire dans le fameux 20-0 de Vincent. Défenseur gauche 20-0, hein, c'était un soldat. Il m'avait fait un boulot de soldat, franchement. Allez. Je prends les gars. Pour 6,80 de plus, 3 tots plus de 90. Correct. Blas, je le verrais bien dans un club comme Leipzig. Un club, un step. Dortmund. Un Dortmund, ouais. Dortmund, ouais, un truc comme ça. Ludovic Blas à Dortmund, je pense qu'il pourrait se régaler là-bas. On va faire un boulot là-bas. Ouais, wesh. T'es à Kimi Totti. Alors les gars, c'est un pack à 15 000 crédits pour refaire le SBC qui donne des jetons. Le compte Xbox, tiens. Ouais, mais c'est une prix minimale. Ça comptait même pas les gars pour la prédit. Le dimanche à midi, on arrive à Lille, genre vers les 13h. Donc dimanche 13h, on est sur Lille. Ensuite, je pense qu'on va chiller un peu. Il n'y a rien à voir à Lille parce que la ville elle est tuba. Il n'y a rien à voir les gars. On l'a fait l'année dernière. Pour moi, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Non, parce qu'on l'a fait l'année dernière. Donc on va aller sûrement chez dans un resto ou bar dans Lille. Et après on va aller au stade Pierre Mauroy. On va voir et après on repart le lendemain, midi 13h. On part de lundi midi, on arrive à Paris à 13h. Voilà. Donc on va passer quoi un peu de temps sur Lille, mais comme c'est tuba... En vrai, ce qui est sympa là-bas, c'est le centre-ville, moi j'aime bien en vrai. Ça fait un peu médiéval, je trouve. Moi j'aime bien... Enfin, il est petit, donc tu le fais en une journée, quoi, tu vois. Mais moi j'aime bien le centre-ville de Lille. Après je pense que si t'es étudiant là-bas tu dois te régaler. Oh et les gars, j'ai ouvert mes deux derniers packs, c'est deux totis. Ça pleut des totis. Moi. Mes deux packs de totis. Moi. Toi. Ah c'est bien. Allez, y'a quoi d'autre dans le pack? Waouh. Oh wesh. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. Attends, moi mon 85... Les gars, c'est le meilleur à avoir, non? Mon 85 x 10, franchement, wow. Il était cacaculaire, wow. Le tien, il est monstrueux, bravo, bravo. Ah, je suis heureux, les gars. Franchement, pour le coup, je sais en plus, je sais qu'il est dur à avoir parce qu'on reçoit plein de DM, des frères qui disent, ouais, c'est incroyable, j'ai packé et tout. Mais moi, je suis choqué, les gars. Aucun doublon, en plus, c'est clean, c'est un pack clean. Il est clean. Les gars, il n'y a même pas de doublon, tu voudrais pas te casser la tête sur un autre SB, c'est clean. Il y a beaucoup de tots, là tu peux faire... Tous les packs que tu veux pendant 2 semaines. Là. C'est qui les gars le meilleur entre Dembouz et le Kaiser? Ribéry direct, le meilleur les gars entre Dembouz et Ribs. Si on se parle français. Moi pour moi tu fais un 4-4-2, tu mets Vira, Zizou en milieu, Ribéry, Dembélé sur les côtés et Cruyff, Messi devant. C'est vrai par contre les gars, je vais pas vous mentir que le... Entre Vira, Zidane, Dembélé, Ribéry, notre le blason français est plutôt bien porté sur le compte Xbox. Aucune starlette. Change-moi ton nom d'équipe, frérot, c'est bon. Tu dis aucune starlette, frère, t'as que des gigastars. Il te manque plus que le Ginola et sa chevelure majestique. Et ça y est, t'as toutes les stars du jeu, frérot. Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Allez! Ok, là c'est pas un toti, c'est un tots. Bah. Fodder. Fodder. Oh. Ça crie Fodor dans tes oreilles là, ça crie. Ça, c'est de la pâté à SBC. Ouais. Pour toi, c'est de la pâte à tartiner à SBC. Ouais. Ah. Ok.
Donc, il n'y a pas doublon, déjà, moi j'aime bien, il n'y a pas doublon. Comme ça, tu casses pas la tête avec des doublons. Pour l'instant, c'est défaite. Défaite, 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 défaite. Allez. On ouvre ce pack, les gars. Ouais, il faut avancer. On va faire le pack à 100 000. Bien sûr. Par contre, c'est dommage que ça soit pas vendable. C'est dommage, les gars, que ça soit pas vendable pour le coup. Ouvrir des packs, je vous mens pas, les gars, que si EA avait comme concept de garder. Enfin, si EA voulait garder ce concept sur FIFA 23, quand t'es dans la boutique, tu mets des crédits pour avoir des packs derrière invendables. Moi, je suis absolument pas fan de ça. J'espère que EA ne fera pas ce concept sur FIFA 23, d'avoir des packs invendables. Mais on va avoir des news, les gars, jeudi. Jeudi, je crois que c'est à 17h ou 18h. Des news par rapport à FIFA 23, donc n'hésite pas, nous on va les mater en stream, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. On va découvrir les news ensemble, après on va décortiquer, on va faire la review du trailer sur FUT, c'est jeudi. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, comme ça on va mater ça tranquillou jeudi. Et dites-moi les gars aussi dans les commentaires, quand est-ce qu'on pourra enfin utiliser nos jetons? Parce que je sais que moi j'en ai pas mal, des jetons comme Taibi. Mais quand est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Parce que j'ai vu dans la boutique, enfin dans le SBC, qu'ils n'étaient pas encore disponibles. Donc voilà. Si vous avez des news par rapport à ça, les gars, dites-nous. C'est vendredi. Moi, je sais absolument pas. C'est le 12. C'est ce vendredi. Ok. D'accord. On va se quitter, les gars, là-dessus parce que nous, on a un urban à faire à 21h. En tout cas, c'était un régal et un pur plaisir, les gars, de vous revoir en stream et en vidéo YouTube. Plaisir. N'hésite pas à nous suivre sur Twitch. Dès jeudi, il y aura l'annonce par rapport aux news Ultimate Team qu'on regardera en live. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch par rapport à ça et aussi à nous suivre sur Twitter, Instagram pour participer au jeu concours FIFA 23 et aussi si tu veux interagir avec nous sur nos réseaux sociaux. Gros bisous les gars et j'espère que la bêta va bientôt sortir sur FIFA 23. Ouais. Je pense que ça va être la semaine prochaine les gars. Mais on va pas stream. La bêta on va pas la stream donc voilà. Mais voilà sur FIFA 22 je pense qu'on touche vers la fin. J'espère qu'on va bientôt avoir les 85x10 comme ça on va pouvoir s'envoyer. Enfin ouais, ça va faire des streams grotesques. En tout cas les refs. Gros bisous les gars. Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent. On se capte demain. Ciao les gars. Peace.